Sea of Stars est un jeu qui a décidé de briser toute forme de logique, et ça c'était valable dès son annonce. Rapidement, un engouement massif s'est créé autour de ce titre, un engouement basé sur une promesse, nous faire un RPG qui sera un hommage au JRPG rétro et à un jeu en particulier, Chrono Trigger. Et si très vite on a tous été convaincus par la direction artistique de ce jeu, rien n'était gagné pour autant. Sabotage Studio a sorti précédemment The Messenger, un excellent jeu d'action plateforme, mais c'est à peu près tout, rien dans leur passé nous montre qu'ils seraient capables de sortir un excellent RPG. Et pourtant, la logique sera à nouveau pulvérisée au moment du lancement de la campagne Kickstarter de ce jeu, avec 1 600 000 dollars canadiens récupérés, là où le studio demandait 12 fois moins. C'est ainsi que Sea of Stars arrive sur nos consoles à la fin de l'été 2023, après un petit retard puisque le jeu était prévu initialement en 2022, mais rien de bien grave au regard de l'ambition de ce projet. Mais au final, il vaut quoi ce jeu? Est-ce le digne hérité de Chrono Trigger ou n'est-ce qu'un énième RPG sans grand intérêt à part celui de flatter la rétine? C'est ce qu'on va voir. Salut à tous, c'est Sullivan et c'est parti pour le test de Sea of Stars. Le domaine du RPG indé, c'est quand même une vaste friche. Les développeurs indépendants excellent dans bien des domaines, mais niveau JRPG, c'est plus difficile. Alors bien sûr, il y a déjà l'exception qui confirme la règle, Chain Echoes, un jeu incroyable dont on parlera régulièrement dans ce test, car il est finalement un très bon point de comparaison avec Sea of Stars. Notre histoire commence alors que nous dirigeons Zal et Valère, deux enfants du solstice, des puissants guerriers capables de manipuler la magie du soleil et de la lune, et dont leur destin est de combattre les sbires du Fleshmancer, une entité diabolique semant le chaos dans le monde. N'allez pas espérer une grande originalité dans le scénario. Ce que je viens de vous décrire juste avant est un point de départ extrêmement classique. Pas mal de thématiques vont naître de ce constat, comme le destin, un destin implacable qui force les enfants du solstice à combattre jusqu'à leur mort, une mort qui est souvent prématurée. Au début, en tout cas, le scénario n'apporte rien de bien captivant. D'ailleurs, la mise en place narrative pourra sembler un petit peu longue, surtout qu'on se rend rapidement compte que non seulement le scénario n'est pas captivant, mais surtout qu'il n'a pas grand chose à nous raconter. Alors là, je me doute bien que vous risquez de me trouver sévère, surtout si vous avez déjà fini le jeu. Car oui, je concède sans problème que quand même l'histoire a des choses à nous raconter et qu'elle apportera son lot de rebondissements bienvenus, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que ce jeu adore nous faire tourner en rond. Sans spoiler, parlons juste du déroulement narratif du début du jeu. Une fois quitté notre village natal, nous avons une quête. Rejoindre une île pour exorciser un démon, c'est tout aussi simple que ça. Sauf que pour rejoindre l'île, il nous faudra un bateau, et donc on va se diriger vers une grande ville dans l'espoir d'en trouver un. Sauf qu'entre temps, on va croiser un peuple qui vit dans une montagne et qui est bien embêté par un dragon légendaire endormi qui risque de se réveiller, et donc il faudra leur rendre service. Une fois qu'on aura réglé le problème du dragon, on arrive en ville, on trouve un bateau, mais les pirates nous demanderont de leur rendre service afin de pouvoir s'en servir. Et une fois le service rendu, on rejoint l'île, et malgré toutes nos péripéties, on arrive en avance. Alors bon, comme on a du temps à perdre, on va rendre à nouveau service en allant attaquer la sorcière locale. Sauf que là, ça ne se passe pas comme prévu, et ainsi de suite. Enfin, je pense que vous avez compris où je veux en venir. C'est pas le premier jeu découpé ainsi. Et en soi, c'est pas forcément un drame. Ces étapes intermédiaires ajoutées plus ou moins adroitement seront toujours l'occasion de mettre en place des personnages et des éléments narratifs qui trouveront tôt ou tard leur place dans la trame globale. Mais vous l'avez sans doute compris, ce n'est donc pas l'histoire qui m'a donné envie d'avancer dans ce jeu, c'est autre chose. Sea of Stars est un jeu à ambiance. Alors dit comme ça, ça ne veut pas dire grand chose, je l'avoue. Mais pendant mes 25 heures de jeu, je me suis souvent demandé qu'est-ce qui me poussait à progresser dans ce jeu. Eh bien c'est ça, son ambiance, ou devrais-je dire plus simplement, le plaisir de la découverte. Et ça c'est une approche particulièrement casse-gueule. Évidemment, il y a déjà la direction artistique qui contribue énormément. Le jeu est sublime et je vois pas trop comment on pourrait dire le contraire.
En termes de pixel art, je crois que mon jeu préféré c'est Eastward. Eh bien, Sea of Stars va encore plus loin. Déjà tout comme Eastward, il va habilement jouer avec l'éclairage dynamique qui illumine individuellement chaque pixel pour un rendu particulièrement efficace. Mais là où il va encore plus loin que Eastward, c'est dans sa palette de couleurs, des couleurs chaudes, très contrastées. Et conscient de cette qualité, Sabotage Studio va mettre en place différentes énigmes qui vous demanderont de jouer avec le temps, alternant entre la nuit, l'aube, le jour et le coucher du soleil. Mais je parlais d'un jeu à ambiance et ça va bien au-delà de jolis graphismes. Ça passe aussi par la musique et pour le coup, Eric DeBrown, le compositeur maison de Sabotage Studio, s'est surpassé. Vous avez aimé l'OST de The Messenger ? Eh bien, vous allez adorer celle de Sea of Stars. Ce style rétro est toujours aussi efficace, très bien inspiré, et on remarquera d'ailleurs quelques clins d'œil à l'OST de The Messenger qui font très plaisir. Alors bien sûr, musicalement, il y a un point que je n'ai pas encore cité, la présence de Yasunori Mitsuda. Pour Sabotage Studio, avoir Mitsuda à l'OST, c'est un exploit et accessoirement un gage de qualité. La principale inspiration de Sea of Stars, c'est Chrono Trigger. Alors, quoi de mieux que demander au compositeur de Chrono Trigger de faire une partie de l'OST du jeu. Et c'est un vrai tour de force, car Mitsuda se fait relativement discret depuis pas mal d'années, travaillant principalement sur Xenoblade 2 et 3, et là encore, c'est probablement grâce à l'amitié qui le lie de longue date avec Tetsuya Takahashi. Maintenant, pour être un petit peu honnête, la présence de Mitsuda dans Sea of Stars s'avère être finalement très anecdotique, et la plupart des thèmes marquants sont signés par Eric DeBrown. Et pour finir sur cette idée de jeu ambiance, je parlerai de cette formidable galerie de personnages. Ils apportent une véritable originalité à ce jeu, avec une mention spéciale pour le groupe des pirates. Mais vraiment sur ce point la liste est longue, et c'est aussi pour ça qu'on progresse dans le jeu, faire de nouvelles rencontres, voir de nouveaux peuples et lire de nouveaux dialogues savoureux. Enfin, la qualité de l'écriture elle est loin d'être exceptionnelle, mais les dialogues sont souvent bien pensés, drôles et touchants quand il faut l'être. D'ailleurs, en parlant de moments touchants, il faut quand même dire un mot au sujet de Garl. Dans Sea of Stars, on dirige Zal et Valère, les deux enfants du solstice, mais très rapidement, un troisième larron va rejoindre le groupe, Garl. Et dites-vous bien que c'est Garl le personnage principal du jeu, tout a été fait pour le rendre unique. De loin, Garl, c'est le gentil garçon, un petit peu simplet, qui veut être ami avec tout le monde. Mais au final, son personnage est beaucoup plus complexe. Garl est touchant, il est très humain, là où Zal et Valère sont au final extrêmement basiques dans leur comportement. D'ailleurs, ce petit groupe de trois va s'agrandir au fur et à mesure de votre voyage, et je peux vous assurer que tous ces nouveaux compagnons seront très réussis, et ils vont s'intégrer naturellement à notre groupe d'aventuriers. Tout ça pour dire que si le scénario n'a rien d'exceptionnel, Sabotage Studio sauve les meubles avec une galerie de personnages très réussie. Mais c'est bien beau tout ça, on n'a pas encore parlé du gameplay. Au final, c'est sans doute sur ce point que je serai le plus sévère. Dans sa volonté de rendre hommage, Sabotage Studio a oublié d'être innovant. Le gameplay est on ne peut plus classique. Alors sur la partie combat, il y a bien une idée intéressante. Les adversaires auront deux façons de vous attaquer, soit une attaque normale, soit une spéciale, évidemment beaucoup plus dangereuse que l'attaque normale. Et dans le cas de coup spécial, on a la possibilité d'annuler l'attaque. Le jeu s'articule autour de deux types de dégâts physiques, tranchants et contondants, et plusieurs types de dégâts magiques. En cas de coup spécial, on pourra le casser en réalisant les coups affichés à côté de l'adversaire. Enfin, petit aparté, cette fenêtre est vraiment mal foutue, et quand vous avez plusieurs monstres trop rapprochés, vous ne savez plus trop quelle fenêtre correspond à quel monstre. Ce système est quand même bien pensé, surtout qu'il n'est pas question de pouvoir aisément casser chaque attaque. Et c'est même tout le contraire, on sait qu'on va devoir s'en prendre plein la tronche, le tout est de contrôler autant que possible les dégâts à venir. Dans l'approche, ça m'a énormément fait penser à un certain Into the Breach. Bref, oui, ça apporte une véritable couche stratégique au combat, mais le problème c'est que le système n'évolue pas pendant l'intégralité du jeu. Bien que très différent dans son approche, Chain Echoes transformait chaque combat en un véritable défi stratégique. Mais conscient de la complexité des combats, ces derniers étaient finalement assez rares. Pour Sea of Stars, c'est une sorte d'entre-deux. Il y a quand même pas mal de combats, même si sans doute un petit peu moins que dans un JRPG traditionnel. Néanmoins, chaque combat est plutôt long, et j'avoue qu'au bout d'un moment, on a tendance à les sentir plus comme une corvée nécessaire pour progresser que comme un véritable défi stimulant.
D'ailleurs, le jeu est globalement assez dur, même s'il met en place un système de reliques à équiper, pouvant énormément simplifier l'expérience au joueur de voir s'il veut les activer ou non. Enfin, un dernier point qui a un rapport direct avec le gameplay, c'est l'exploration. Et là encore, je suis désolé, mais c'est pas terrible. On évolue la plupart du temps sur des routes bien cloisonnées et en gros notre but sera constamment de résoudre une micro-énigme nécessaire pour rejoindre l'écran suivant. Pour toute la partie énigme, on peut quand même reconnaître une belle variété et un bon nombre d'idées intéressantes, mais c'est quand même assez frustrant de voir que constamment le principal frein à la progression, ça ne sera qu'une simple énigme et que c'est valable aussi bien en extérieur que dans les donjons. D'une certaine façon, avec ces énigmes à répétition, le jeu fait bien plus penser à un Golden Sun qu'à un Chrono Trigger. Depuis que je parle de Sea of Stars, j'ai eu un nombre incroyable de questions sur un sujet simple: est-il meilleur ou non que Chain Echoes? Il m'aura fallu à peine une heure de jeu pour comprendre qu'il ne serait pas meilleur. Mais en même temps, c'est pas un drame. Chain Echoes est pour moi un jeu exceptionnel, un titre qui se place immédiatement comme une référence du JRPG et on ne peut pas demander d'avoir des jeux de cette qualité tous les 6 mois. Alors bien sûr, Sea of Stars est meilleur que Chain Echoes sur sa direction artistique, ça c'est évident, et c'est probablement un tout petit peu mieux aussi sur les musiques, mais c'est tout. Sur l'histoire, il n'y a pas photo, et même au niveau des personnages, si j'ai été très positif sur ce point pour Sea of Stars, c'est quand même pas au niveau de Chain Echoes. Surtout qu'au niveau de l'écriture, c'est encore un gros point en faveur de Chain Echoes. Enfin, sur le système de combat et même au niveau de l'exploration, là aussi, il n'y a pas photo, gros avantage pour Chain Echoes. Le constat est sans appel. Maintenant, je ne suis pas fan de cette idée qui consisterait de dire que puisque Chain Echoes est le meilleur, alors il faut ignorer Sea of Stars. C'est stupide, et on en parlera en conclusion, mais Sea of Stars vaut largement le coup. Alors ma réponse est simple, faites les deux si vous le pouvez. Allez, il est temps d'attaquer les tops et les flops. En top, mais qu'est-ce que c'est beau! Je pense que je ne pourrais jamais suffisamment insister sur la qualité visuelle de ce titre. Surtout que volontairement, il y a un paquet d'environnements sublimes que je ne vous montre pas pour éviter tout spoil. Autre top pour les différents personnages qui composent le casting, avec en tête d'affiche Garl. La progression reste plaisante grâce à cette petite troupe, et c'est leurs différents comportements qui vont apporter une touche d'humour et de tendresse à notre histoire. Dernier top pour l'ambiance générale que dégage ce jeu, entre les musiques, la direction artistique, les animations et les différents lieux à traverser, tout ça donne un véritable cachet à ce titre et ça a très très bien fonctionné chez moi. Allez, on passe au flop et on va commencer avec l'histoire bien trop légère. Le jeu n'a pas grand chose à nous raconter et passera son temps à étaler plus que de raison son scénario. Si le procédé marche plutôt bien au début et à la fin, on a quand même un gros ventre mou au milieu qui pourra sembler un petit peu longuet à traverser. Continuer avec les combats, oui, il y a une bonne idée de départ avec les coups spéciaux qu'on peut casser, mais au bout du compte, les combats sont longs, fastidieux, et il y en a trop. Enfin, l'exploration, réduite à son strict minimum, qui se résume la plupart du temps qu'à une succession d'énigmes certes bien pensées, mais qui au bout du compte viennent parfois inutilement freiner le joueur. Pour conclure, Sea of Stars réalise un numéro d'équilibriste bien difficile. Ce n'est pas l'histoire ni le gameplay qui vous donneront envie de progresser. Sabotage de studio est donc contraint d'émerveiller le joueur à chaque instant pour rendre ce voyage riche en émotions, et sur ce point, il y arrive, allez, 75% du temps. Dans sa globalité, il y a bien quelques temps morts, c'est vrai, mais la plupart du temps, ça fonctionne bien, voire très bien. C'est sans doute aussi pour ça qu'il est un petit peu plus court que d'autres JRPG, se limitant à une aventure de 25-30 heures maximum, mais c'est un excellent choix et je peux vous assurer qu'il ne fallait pas plus long. Alors évidemment, l'émerveillement c'est abstrait et chaque joueur ne sera pas réceptif de la même façon. C'est pour ça que je me limiterai à dire que c'est un bon jeu. Enfin très bon même, hein, mais malheureusement pour moi il n'est pas assez solide dans son gameplay pour viser plus haut. Sabotage Studio a quand même réalisé un coup de maître. Après l'excellent The Messenger, ils arrivent à nous prouver qu'ils peuvent être aussi très convaincants sur du JRPG, un domaine totalement différent. Et voilà qui conclut le test de Sea of Stars. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et likez la vidéo, ça lui fera le plus grand bien. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien. Bye bye.